Bonsoir, ici Malou Beauvoir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toutes formes. Information l'ennui pou la jounen sou Alter Radio 106.1. Information pou nal pi loin. Kouman nouye? Fakout, fakap di moun. Epi la kay nou. Nou de la gestion, migration, dans les magazines et vents sous Alter Radio 106.1, alterradio.org ak divers plateformes internet. Magazine événement toujou traité actualité internationale lan chak semen pou ede auditeur ak auditrien komprenn sa kapase sou sèn internationale lan. Rikyo, 10 juin passe, bien président américain Joe Biden salue déclaration Los Angeles la li di ki historik se yon akor sou kestyon migrasyon nan rejyon ki se yon dosye tèt chaje pou plizye peyi genyen 20 peyi sou plus pase 30 ki te prezant ki parafe akor sa. Men 9e somen Amerikyo se te yon tribun tou kote malgre akor sa genyen an pil kritik sou leadership Ameriken an avek prinsipal organizasyon kote peyi yo prezante se Organizasyon des Etats Ameriken OEA. Jodi an nap prinsipalman koute kek ekstre diskou ki fet an plenyer padan somer. L'exclusion contre qu'un pays puisse indiquer à un autre pays ce qu'il doit faire. Jean nous dit où nous sélectionner pour extraire un discours 7 dirijan nou kwen ki important pou nou tande kap pemet nou serne problematik ak proposisyon ki konserne rejyon nou an Amerik la. An koumanse avèk prezident Amerikèn Joe Biden ki mette aksan sou kesyon imigrasyon an ki mande engajman komen. Prezident Joe Biden. Aujourd'hui, les dirigeants sur cette scène s'unissent pour prendre un engagement. Un engagement, bon, c'est un mot qui est trop utilisé, mais c'est un engagement historique, parce qu'il s'agit effectivement d'un engagement historique. 20 pays qui s'unissent pour lancer la déclaration de l'Agence l'Est sur la migration et la protection. Avec cette déclaration, nous transformons notre approche de la gestion des migrations dans les Amériques. Chacun d'entre nous prend des engagements qui reconnaissent que ce défi est une responsabilité partagée
qui touche toutes nos nations. Et un défi, et ça je l'ai appris grâce à mon expérience, car nous travaillons ensemble en partenariat pour gérer ce problème de la migration. Au cours des dernières années, la crise économique mondiale déclenchée par la pandémie de COVID-19 est maintenant aggravée par la guerre de la Russie en Ukraine, ainsi que les troubles politiques provoqués par les régimes autocratiques de notre région, a conduit à des niveaux de migration records. Et pas seulement vers les États-Unis, la Colombie a accueilli des millions de réfugiés du Venezuela. À l'heure actuelle, les migrants représentent jusqu'à 10% de la population du Costa Rica. Mais aucune nation ne devrait assumer seule cette responsabilité. Nos avenirs économiques dépendent les uns des autres. Notre sécurité est liée. Et la plupart des Américains ne le comprennent peut-être pas, autant que vous. Et notre humanité commune exige que nous prenions soin de nos voisins. La déclaration de Los Angeles s'articule autour de 4 piliers fondamentalement. Premièrement, la stabilité et l'assistance. S'assurer que les communautés qui accueillent les réfugiés ont les ressources nécessaires pour s'occuper d'eux, les éduquer. L'éducation, la santé, l'hébergement, l'emploi. Deuxièmement, augmenter les voies d'immigration légale et les protections pour les réfugiés. Troisièmement, travailler ensemble pour mettre en œuvre une gestion plus humaine et coordonnée des frontières. Et enfin, s'assurer que nous travaillons ensemble pour répondre aux urgences. Nous savons qu'une migration sûre, ordonnée et légale est bénéfique pour toutes nos économies. Mais nous devons mettre un terme aux migrations dangereuses et illégales. La migration illégale n'est pas acceptable et nous sécuriserons nos frontières, notamment par des actions innovantes et coordonnées avec nos partenaires régionaux. Travailler ces efforts simultanément, des politiques humaines qui sécurisent les frontières et soutiennent les personnes représentent une nouvelle approche innovante et intégrée. Elles répondent aux besoins des migrants vulnérables et aux besoins des pays qui les accueillent. C'est pourquoi elle a le soutien du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et de l'Organisation internationale pour l'immigration. Et c'est pourquoi tant de nations, et je dis encore une fois 20 pays qui représentent le Chili, le Canada, et tant de pays étaient impatients de signer et se sont montés à la hauteur avec des engagements majeurs. Je tiens particulièrement à remercier le président Chavez du Costa Rica et le président Lasso de l'Équateur pour les nouveaux engagements qu'ils ont pris en vue de soutenir et de protéger les migrants dans leurs pays respectifs afin qu'ils aient la possibilité de rester et de commencer à reconstruire leur vie là où ils se trouvent. Et comme tant de pays dans la région, les États-Unis s'engagent de manière significative. Pendant Mexique salué qualité travail qui fait dans Soumea, li rejeté question exclusion certains pays. Nous connaissons Cuba, Venezuela, Nicaragua, pas de gain invitation pour participer dans Soumea. Mexique mandé pour pencher tout sous réorganisation OEA. Ministre Affaires étrangères mexicain Marcelo Ebrard. 20 pays sur 32 pays qui se sont exprimés dans cette haute tribune des Amériques ont exprimé le fait qu'ils n'étaient pas satisfaits de l'exclusion de certains pays des Amériques qui ne sont pas présents parmi nous. 20. 10 ont indiqué se sont abstenus et 2 ont dit qu'ils sont en faveur de cette exclusion. Je résume donc, la grande majorité des pays ici présents dans ce sommet, nous avons exprimé notre opposition au fait que l'on ait exclu certains pays du sommet des Amériques. Et ceux qui nous suivent, ceux qui nous écoutent, se demanderont pourquoi nous nous opposons à l'exclusion de certains pays. Pourquoi est-ce que ce sujet est-il tellement important ? C'est un sujet qui a été débattu depuis plusieurs décennies dans chaque sommet. C'est la grande différence. C'est l'élément réitéré dans ces sommets que l'on ne parvient jamais à résoudre.
Pourquoi sommes-nous contre l'exclusion ? Tous les pays. Bien sûr, le Mexique est d'accord avec cette position. Voilà pourquoi le président López Obrador n'est pas venu pour souligner le fait que nous ne sommes pas d'accord. Et je disais, pourquoi est-ce le cas ? Parce qu'on n'admet pas le principe qu'il pourrait y avoir une intervention légitime, à savoir, personne n'a le droit d'exclure un autre pays. Pour quelque raison que ce soit. Et moins encore pour des différences politiques. Ceux qui doivent résoudre les problèmes d'organisation de chaque pays, c'est le peuple de chaque nation, librement, libre à eux de choisir leur forme de gouvernement. Et donc, on est contre l'exclusion et on est également contre le principe qu'un pays puisse indiquer à un autre pays ce qu'il doit faire dans sa vie interne. 20 contre, 10 abstentions, 2 en faveur. 2 seulement. Vous me direz, bon, pourquoi est-ce que tellement important ceci ? Eh bien, parce que on a également exprimé ici une critique récurrente sur la nature, les fonctions et le rôle actuel de l'organisation des États américains. Il a joué un rôle honteux récemment en Bolivie. Il est obsédé avec les missions d'observation électorale plutôt que des questions qui intéressent toutes les Amériques. On ne les a pas vus présents pendant la pandémie. Et il pensait que les observations électorales étaient plus importantes, ou alors l'affaire de la Bolivie, plutôt que de voir comment résoudre nos graves problèmes, comment obtenir des vaccins, par exemple. Et donc, dans plusieurs des interventions qui m'ont précédé, vous noterez que le thème ne concerne pas le fait de savoir s'il faut exclure ou non certains pays, qui est une question très importante. Ce n'est pas uniquement de savoir si on admet ou non le principe d'intervention, qui, pour le Mexique, ne doit pas être admis. Et j'ai entendu 20 autres pays s'exprimer dans le même sens avant nous, à l'occasion de ce sommet. Mais par ailleurs, un autre élément important est à considérer, l'architecture, les fonctions et de l'organisation des États américains, cette architecture est épuisée. C'est ce que nous avons entendu ici. Vous allez me dire, est-ce que vous n'exagérez pas ? Non, je ne fais que reprendre ce que j'ai entendu et qui est notre position également, et nous appuyons cela. Le président de l'Argentine, Alberto Fernandez, l'a dit à cette tribune au nom de la communauté des États d'Amérique latine et de la Caraïbe qu'il fallait immédiatement renouveler le mandat nous réorganiser dans les Amériques. Il faut parler de l'avenir de l'OEA. Il s'agit de cela. Si nous ne parvenons pas à résoudre ce problème et si nous continuons dans cette différence suite à tout ce que je viens de vous décrire, si nous n'adaptons pas les mesures nécessaires pour progresser, eh bien vraisemblablement, lors du prochain sommet, nous débattrons des mêmes questions. À savoir, nous avons des accords, nous avons des initiatives, mais ce qui continue de dominer, c'est la différence entre les principes que je viens de vous décrire et la forme et notre forme d'organisation. Il me semble donc que le moment est venu où, pour le bien-être des Amériques, nous devons résoudre cette différence. Même son de cloche, bon côté Bolivie, qui profitait condamné attitude OEA dans crise politique qui t'est frappé pays. Ministre des Affaires étrangères bolivien, Rogério Mata. Malgré que l'on dise qu'il s'agit d'un sommet des Amériques, il y a des pays qui ont été exclus de ce sommet. C'est regrettable que dans un espace d'intégration continentale tel que ce sommet, il ne serve pas de point de rencontre pour tous les pays des Amériques. L'exclusion de Cuba semblait être quelque chose qui était historique et l'on pouvait donc croire à un meilleur avenir pour les relations entre les États pendant ces sommets. Toutefois, dans un retour à un triste passé, le nombre de pays qui n'ont pas été invités à participer à cette rencontre s'est vu augmenter. Il y en a maintenant 3. Par leur absence, nous perdons toute opportunité de débattre et de nous mettre d'accord et de régler nos différends. La Bolivie
exige le respect et réclame le principe de non-ingérence dans les affaires internes des États. Nous considérons aujourd'hui qu'il est opportun de rappeler la condition fondamentale de la charte de l'Organisation des États américains, qui exprime que chaque pays, chaque nation a le droit d'élire sans ingérence externe leur système politique, économique et social, et à s'organiser de la manière qui leur semble la meilleure. Et ils ont là pour responsabilité de ne pas les intervenir dans les affaires des autres États. Voilà pourquoi nous rejetons la qualification unilatérale et que l'on établisse quel pays est une démocratie ou non. Parce que c'est arbitraire, c'est antidémocratique en tant que tel, malgré le discours qui prétend de justifier ce type d'approche. Qui décide de ce qui doit advenir dans cette maison commune, que le siège de ce sommet sur les États-Unis ne leur donne pas le pouvoir pour assurer des exclusions, sapant l'esprit de la Charte des Nations Unies et d'autres documents fondamentaux aux relations internationales. Malheureusement, l'Organisation des États américains et son secrétariat général ne garantissent pas non plus l'institutionnalité, l'état de droit et le respect des droits de la personne. Dans notre difficile expérience, l'OEA a participé à des événements tels que le coup d'État qui est advenu en Bolivie en novembre 2019, qui a consolidé un gouvernement de facto sur base d'une répression violente des manifestations. L'emploi de force létale qui a tué des dizaines de Boliviens. Et ils ont agi contre la démocratie. C'était des assassinats. L'OEA a participé à... Un audit électoral, une soi-disant audit électoral en 2019, qui a été l'une des justifications de ce coup. Nous avons demandé que l'on nous présente des informations sur cet audit. Ce n'était pas une fois ou deux, mais 11 fois jusqu'à présent. Mais il n'y a pas de transparence au sein de l'OEA d'Almagro. La Bolivie attend toujours une enquête honnête et impartiale sur ce qui est advenu pendant ce soi-disant audit électoral. Notre dure expérience nous pousse à croire à l'avenir d'organisations et de mécanismes qui ne correspondent plus aux besoins des pays et des peuples de l'Amérique latine. En fin de compte, nous ne sommes pas obligés à rester là où on ne respecte pas nos droits et où on ne retrouve pas la solidarité et l'appui en moment de crise. Voilà pourquoi nous pensons qu'il est nécessaire d'apporter des changements fondamentaux avant qu'il ne soit trop tard. Et il faut repenser nos institutions et voir les instruments d'intégration américaine. Bon côté Pali, Chili, puis souple, mais les partager critiquio et puis les profiter mettre l'autre question sous table à tout. Tant coup, égalité femme et garçon dans question politique. Président Gabriel Boric. Nous sommes ici pour dialoguer, pour écouter. Et c'est pourquoi nous sommes convaincus, comme beaucoup de présidents avant moi l'ont dit, nous sommes convaincus que cela peut fonctionner s'il n'y a pas d'exclusion. On devrait tous être ici et ce n'est pas le cas. Ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas que Cuba, le Venezuela et le Nicaragua soient exclus. Vous savez pourquoi ? Parce que ce serait différent. Dans un forum que celui-ci, si tous les pays étaient présents, même ceux qui ont décidé de ne pas venir à cause de cette exclusion, eh bien cela montre qu'il est nécessaire, ou du moins il est nécessaire de libérer les prisonniers politiques au Nicaragua. Et l'importance morale est urgente
où il est important de mettre fin à cet embargo à l'encontre de Cuba, une fois pour toutes. Il est important que lorsque nous sommes en désaccord, comme vous l'avez dit, eh bien nous devons de pouvoir se parler face à face. Cela ne peut que promouvoir l'isolement et cela n'est pas utile comme l'histoire nous l'a montré. Pour notre pays, nous voulons vous le dire de manière très claire, les droits de l'homme et le respect non restreint des droits humains est un concept de base de la civilisation que nous allons toujours promouvoir, quelle que soit l'appartenance politique des dirigeants. Et nous devons nous inclure là-dedans. C'est pourquoi nous sommes un gouvernement féministe qui défend les droits humains des femmes, des filles et des dissidents, où qu'ils se trouvent dans le monde. Dans ce domaine, malheureusement, nous sommes convaincus que nos accords sont insuffisants et que nous nous devons de réaliser des progrès plus rapides. C'est quelque chose qui n'est pas tolérable, chers collègues. Sur ce continent, il y a des lieux dans lesquels l'histoire est reniée. C'est pourquoi nous utilisons ce forum pour inviter les quelques pays qui ne font pas encore partie de la Convention de Belén du Pará pour sanctionner et prévenir toute la discrimination contre les femmes, pour que la moitié de notre continent, les femmes de notre patrie, puissent vivre dans un environnement libre de violence. Nous devons adopter des actions concrètes, mesdames et messieurs. C'est urgent. Nous devons progresser dans la pleine inclusion politique des femmes, à savoir la parité, l'autonomie et le respect de leur corps, et comme je l'ai indiqué auparavant, une vie libre de violence. Critique, nous tendez là, yo, partagez tout, la plupart nan yo, nan niveau Caraïbe là, et yon nan voix qui pote yo, puis directement, c'est Antigua et Barbuda. Premier ministre Antigua et Barbuda, Gaston Brown. Je regrette que l'invitation à ce 9e sommet des Amériques n'a pas été envoyé à tous les chefs de gouvernement. Je reconnais que nous avons de grands défis qui exigent notre attention collective. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres sommets à l'avenir auxquels certains des chefs de gouvernement et d'État sont exclus. Avec l'embargo commercial contre Cuba, nous voyons un préjudice dans notre continent, cela devrait prendre fin. De la même manière, nous encourageons le dialogue avec le Venezuela pour que le pays puisse utiliser ses ressources pour les besoins de son peuple et pour la mise en place d'un régime pacifique dans notre région. Et nous devons réduire ces différends, établir des coopérations pour faire avancer nos intérêts et ceux de nos peuples. À l'heure actuelle, nous avons une confluence de difficultés dans le monde qui exige un leadership fort pour que nous puissions sortir de la COVID-19, pour qu'on puisse réagir à la crise climatique et pour qu'on puisse surmonter l'insécurité alimentaire et l'augmentation des prix. Des dizaines de milliers de personnes du continent se retrouvent dans la pauvreté. Cela exige davantage de coopération au niveau continental et nous devons agir avec urgence pour faire en sorte que les coûts très élevés de la vie soient réduits. Mais la réalité, c'est qu'aucun pays ne peut le faire seul. La plus grande coopération au niveau continental est nécessaire pour mobiliser nos ressources collectives et nous avons également besoin d'un plan d'action collectif pour ce faire. Je ne m'attends pas à ce que ce sommet produise un plan définitif. J'espère toutefois que nous puissions nous accorder sur certains éléments.
Les pays de notre continent sont confrontés à des crises qui se chevauchent, que ce soit en matière de développement, de sécurité, de démocratie. La collaboration, l'action collective nous bénéficiera à tous. L'absence de la République de Cuba rend nos délibérations moins complètes. Nous affirmons fermement que nous devons toujours rester ouverts à l'engagement diplomatique et à la consultation. Voilà pourquoi nous appuyons les efforts pour apporter une nouvelle vie à la Charte démocratique interaméricaine. L'embargo contre nos voisins de Cuba, le plus long embargo dans l'histoire moderne, contribue directement à une augmentation de la migration irrégulière qui affecte considérablement mon pays. L'allègement des restrictions en 2016 a mené à une chute conséquente de la migration irrégulière, ce qui était un fait bienvenu pour mon pays. Et nous regrettons donc que ces mesures aient reprise et que donc la migration ait augmenté de ce fait. Nous considérons par ailleurs que davantage doit être fait pour apporter de l'appui pour nos frères et sœurs en Haïti. Mais ceci étant dit, nous considérons également que cet engagement doit être sous-tendu par le gouvernement et le peuple haïtien. Et puis, gagnant République Dominicaine, voisin nous, nous connaît qui pas raté occasion forum ça, sommet Américio, dans Los Angeles, pour baïté les doigts parler le nom Haïti. Président dominicain Luis Abinader. J'ai le devoir de m'exprimer, comme je l'ai fait de par le passé, sur le besoin impérieux de nous assurer que la communauté internationale, et en particulier les pays des Amériques, agissent sans retard face à la situation difficile d'Haïti. Haïti, qui historiquement a payé très cher ses dettes à l'endroit de pays développés, exige une action coordonnée qui rétablisse la paix dans ce pays. C'est pour moi et mon gouvernement injustifiable que cette communauté de nations permette qu'un État au milieu du continent américain voit une grande partie de son territoire contrôlé par des bandes criminelles. Le peuple haïtien souffre des conséquences de l'instabilité, de l'insécurité qui ont provoqué par ces bandes et qui obligent leurs citoyens à rechercher d'autres alternatives pour survivre, augmentant de manière conséquente la pression migratoire, principalement sur la République dominicaine et, dans une moindre mesure, d'autres pays de la région. La République dominicaine ne doit pas supporter à elle seule les problèmes d'Haïti. De fait, nous en faisons déjà trop, beaucoup plus que ce que nous pouvons le faire. La citoyenne de ce pays voisin a dépassé les limites d'un problème migratoire. C'est pour les Dominicains maintenant devenu un problème de sécurité nationale et nous allons faire le nécessaire comme le ferait tout pays souverain face à une menace semblable pour garantir de manière adéquate la sécurité le long de nos frontières. Il incombe à la communauté internationale d'assumer un plus grand engagement par rapport au peuple haïtien, avec une implication plus générale et de manière urgente de travailler à la pacification et à la récupération définitive de ce pays. Voilà, n'a fait songer 9e sommet Amérique au fini 10 juin avec déclaration Los Angeles qui doit permettre yo harmoniser bataille y a mené dans région contre immigration clandestine. Gen 20 pays qui s'y est encore ça. C'est comme ça n'a fini magazine événement qui toujours traité actualité internationale là chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices à bien comprendre ce qui a passé sous scène internationale. Nous disons merci pour attention. Continuez à suivre nous sous 106.1 FM alterradio.org avec diverses plateformes internet et puis nous capables recouter émission ça le nouvelé en podcast sous mixcloud.com, zeno.fm, Apple, Spotify et puis Google Podcast. Comment nous y est? Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Flash sous sa capacité dans le monde.